Salut à la visite. Dehors, il fait froid, j'ai de quoi pour vous réchauffer. Au menu, bœuf bourguignon. Élément principal, rôti de palette, vieilli 50 jours, acheté toujours à la même adresse. Les éléments de garniture du bourguignon seront petit lardon, champignons de Paris et oignons perlés. Les légumes d'accompagnement seront fenouil, meunière, carottes arc-en-ciel, multicolores et pommes de terre à l'anglaise. Poireau, bien sûr, sera pour le bouquet garni, feuilles de laurier, thym frais et basilic frais. Toutes les cuissons se feront à l'huile d'olive. Éléments de mouillement, vin rouge, bouillon de bœuf, non assaisonné, tomates croches. Les os à moelle, c'est un bonus. Sel et poivre. La farine sera pour la liaison. La première chose à faire, viande coupe, 1,4 kg. Et voilà, en cube. La viande, je la réserve. Comme ça. Une fois la viande de bœuf coupée en cube, je passe au lardon. Même principe que pour le saumon fumé. Incision et je glisse le couteau tranquillement. La couenne, je la réserve. Lardon coupe. Je la pose 1 cm environ de côté, comme ça. Lardon terminé, je le réserve. Les oignons perlés, les voilà. Champignons café de Paris, petit couteau blanc. Je les coupe en 4, comme ça. Dernier, les champignons bien sûr ont été nettoyés et égouttés avant de les couper. La garniture bourguignonne est prête. Passons à la cuisson de la viande. Poêle allume, comme ça, maximum. Huile d'olive, généreusement, c'est assez. On laisse chauffer. L'huile fumante, la viande, je la mets comme ça. On fait colorer. On part comme ça, coupe 2. Terminé. L'oignon, je le ciselle. Finement. Comme ça. Oignon ciselé, réserve, bol. J'ajoute les os à moelle. Je les remue. L'ail épicé, je l'écrase. Concasse, grosso modo, je le réserve avec les oignons. Arrivé à ce stade, hausse à moelle, enchevron. Poivre du moulin, c'est assez, sel marin, comme ça. La viande colore, oignon, ail, ajoute. Bol terminé. Et je remue. Toujours à feu vif. Une fois le tout bien coloré, comme ça, je vais changer. Farine, comme ça. Je cuire à tout. Bien terminé. Farine en réserve. Et on remue. Je déglace. Vin rouge. 1 litre. Comme ça. Je gratte un peu le fond. Ceci est terminé dans le chaudron. Je rince un peu de fond de bœuf. Je gratte toujours, je décolle les sucres, collé. Ceci est terminé. Je baisse le feu. J'ajoute 1 demi-litre de tomates broyées. Ajoute fond de bœuf un peu plus qu'à la hauteur, comme ça, car il y aura évaporation. La cuisson durera 1 heure. Avant que mon bœuf bourguignon frémisse, je vais faire le bouquet garni. Feuilles de poireau lavées à l'eau chaude pour la ramollir. Insert basilic. Le thym. Feuilles de laurier 4, c'est assez. Je roule comme un petit cigare. Double protection, je double. Couteau maintien, comme ça. Ficelle. Double nœud.
légalise. Double nœud. Troisième ficelle. Couteau égalise. Le bouquet garni rejoint le bœuf bourguignon. Pour la couenne, je vais la rouler et la ficeler. Un nœud simple, de sa forme, double nœud. Couteau, ficelle égalise. La couenne rejoint. Le bourguignon frémit, je le déplace au fond du fourneau. Nous en avons pour une heure. Pendant que mon bœuf bourguignon frémit, je vais commencer à faire la garniture bourguignonne. Huile d'olive, feu allume. C'est assez. Les petits lardons, je les mets comme ça. Oignon carré. C'est bien sûr, tu mettras avec le bourguignon dans une heure. Les oignons prennent une légère coloration, ainsi que les lardons. J'ajoute des champignons. Je les mélange. Une fois tout ce petit monde bien coloré, je le réserve. La poêle, je vais la dégraisser. Et des glaces au clair. Comme ça. J'ajoute un bourguignon. Comme ça. Cette garniture, bien sûr, je vais la mettre dans une heure avec le bourguignon. Je la réserve. Le plus gros est fait. Maintenant, passons à la garniture de légumes. Fenouil, coupe 2, comme ça, en réserve. Fenouil, coupe 2, 4. Fenouil, bol. 2, terminé. Les carottes lavées, je les pare, comme ça. Carottes, coupe 2. Les carottes, je les réserve. Les pommes de terre, je vais les tourner à l'anglaise, c'est-à-dire assises, comme ça, et je tourne. Dans l'eau froide. Une dernière, opération terminée, dans l'eau. Maintenant, je passe à la cuisson des légumes. Fenouil, départ au bouillant. Oh, comme ça, allume. Pommes de terre. Départ au froid. Pommes de terre, casserole. Pommes de terre, départ au froid, salée, comme ça. Pointe de curcumin, c'est pour la couleur, comme ça. Gaz, allume. L'eau pour les fenouilles, salée aussi, comme ça. C'est terminé. Les carottes, je vais les passer un petit peu à la poêle, comme ça. Poivre. Sel, je les roule comme ça. Les carottes légèrement rissolées, un peu d'eau, et je couvre environ 5 minutes. Feu baisse. Les carottes cuisent tranquillement. L'eau des fenouilles bout. Fenouilles insère. Environ 10 minutes à un quart d'heure. Les fenouilles sont cuites, feu éteint. J'égoutte. Eau froide, je refroidis. Un va-et-vient, comme ça. J'égoutte. Les fenouilles, je les réserve. Après 20 minutes de cuisson, les pommes de terre sont cuites. J'égoutte. Casserole, terminée. Les carottes sont presque cuites. Ajoute beurre, comme ça. Mélange. Couvercle revient poêle, comme ça. Pommes de terre égouttées, je les réserve à la poêle. L'eau des carottes réduite tranquillement, ce sera des carottes glacées. Le fenouil, je vais le faire meunir. L'huile d'olive, allume. Un peu de beurre, une cuillère, comme ça. Le beurre frémit avec l'huile d'olive, je mets les fenouilles. Les carottes sont cuites. Vérification, petit couteau, c'est cuit, pas de résistance, couteau terminé, carotte débarrasse, le fenouil, revient ici, carotte cuite, je le réserve avec les pommes de terre, je fais des cuissons, comme ça,
pas le terminer. Les fenouilles commencent à colorer, le feu baisse. Fenouilles tournent, comme ça. Fenouilles bien colorées, feu éteint, réserve. Comme ça. Une heure de cuisson, revenons à notre bourguignon. Feu allume, pas fort, comme ça. Le bouquet garni, je le retire, ainsi que la couenne. Terminé. Vérification de la cuisson, petit couteau bleu. C'est encore assez dur. Viande revient. La garniture, je la rajoute au bourguignon. On en a encore pour une heure. On remue. Patience, ça arrive. Petite louche, je dégraisse. Après 2 heures de cuisson, heure locale, vérification de la cuisson. Bœuf, super cool. C'est cuit. Tout est cuit, on dresse. Four allume, 250 Fahrenheit. L'assiette va au four. Pommes de terre, carottes au four. Le fenouil va aussi au four. On dresse, assiette chaude, sort du four. Légumes, four éteint. Persil haché au départ, comme ça. Les légumes, je les roule comme ça. Louche, 8 onces, je dresse. Donc c'est moelle, ici. Fenouil, 2, pommes de terre à l'anglaise, 3. Carottes multicolores, par-ci par-là. Sauce, un peu partout. Maître d'hôtel, le bœuf bourguignon de la table 55 est prêt, ils ont faim. Voilà mon bœuf bourguignon, à ma façon. Merci à vous qui me regardez au Canada et partout ailleurs. Bye!